Et là, puisque vous parlez de celui d'Alain Diallo, on va aller à l'autre sujet. Oui. Air Guinée, bien voilà. Entendu. La scission de Air Guinée, et là, vous êtes l'opérateur économique qui a racheté cette compagnie. Est-ce bon. Que c'est avec Ella Cheloudalen que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée? Merci beaucoup. Vous savez que moi, je crois que j'étais très surpris. Mm-hmm. Très surpris. J'ai suivi souvent, je suis sur Internet ou mm-hmm. la télé. Mm-hmm. Très surpris. Ouais. Entendu parler de j'entends Cheloudalen parler encore de Air Guinée. Mm-hmm. Parce que pour moi, se réveille le mort. Donc il est là, n'est-ce pas? Il réveille le mort. Oui. Il n'avait pas besoin de parler de même Air Guinée, même quelqu'un lui posait la question. Il devait dire non, non, c'est une affaire passée. C'est ça que moi je faisais. Je ne savais pas tout. Okay. J'ai été là-bas. J'ai dit que c'est le n'est pour rien pour l'affaire de choses. Actuellement, j'étais même avec Alpha Condé, oui. Je l'ai dit. J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que Fala, si c'est là, excuse-moi, Sabari. Oui. Je l'ai dit. Non. Alors, moi, je suis un homme de la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, ceux que vous écoutez. Alors, j'ai dit, quand j'ai entendu parler, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est arrivé, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il arrive à ouvrir encore un front? Hein? Comment dire ça? Vous avez posé la question. Je vais vous faire procurer un contrat qui est signé, dimanche signé par Cellou, par moi d'abord, okay. Par Cellou, par le ministre de Finances à l'époque, qui est Cheikh Camara. Ok? Oui. J'ai ce contrat. Donc, c'est le trois signatures qui est. Donc, c'est trois personnes. Donc, le contrat de scission en 2002 a été signé par vous, Cellou Dalin et le ministre des Finances. Le ministre de Transport. Oui. Ministre tutelle pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît unité de privatisation, autre. En tout cas, c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est le ministre de Finances. Okay. Cette cession s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs, vous avez payé 1 million 200 000 et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Non, qu'est-ce qu'il n'a pas de payer? Sur les 5 millions, la cession de tout l'actif. Voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore je crois que si vous étiez là, après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les barres de fonds, ont demandé à l'État de privatiser tout secteur économique que l'État gérait. L'État gérait. J'avais de même tout même semise, j'avais des usines, ça devait ici, les véhicules, c'est l'État qui importait tout. Donc quand ils ont supprimé ça, alors tout de suite je suis venu, j'ai pris le relais presque, parce que ma société qui est devenue holding après, parce que j'avais 11 sociétés quand même, holding, j'avoue. Et c'était le premier holding guinéen, même CDAO. Premier holding. Donc, alors, j'avais plus de mille et quelques, n'est-ce pas, que j'appelais. Donc, alors, une fois, j'ai dit au président, on était assis, j'ai dit, président, j'ai fait, ce trag est parti. Donc, tout de suite, j'ai fait venir une centaine de bus pour vraiment faire transport. C'est pas l'argent que je vais gagner là-dedans. Mais je veux vraiment que, je veux pas que, c'est tout ça, c'est pour les grandes gueules. Parce que j'ai dit, il y a un patte entre nous, partout que je vois qu'il y a pas. Donc, moi, j'essaie de. Donc, après, j'ai dit, je veux maintenant transport aérien. Il a dit, j'ai entendu. Il dit, comment? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale et les fonds ou le partenaire de la Guinée financière ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire qu'il faut vendre, ou en tout cas, vendre l'Air Guinée en France symbolique. Parce que ça coûtait l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année de briser, intervient tout le temps pour l'histoire de briser de la Guinée, ils ont dit donc on est fatigué parce que l'Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour le,
réparer l'avion. Donc il faut vendre France Immobilier.